plusieurs années de calvaire, les habitants du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula ont vu aujourd'hui les engins de l'OVD à l'œuvre pour le lancement des travaux anti-érosifs. La population de Kindélé dans la commune de Mongafula a l'honneur ce vendredi 28 juin 2019. Elle a exprimé sa satisfaction avec le lancement de travaux de réhabilitation de la route Kindélé-Kimwenza. C'est le ministre provincial des infrastructures qui a donné le ton. Travaux exécutés par l'office des voiries et drainages par les truchements de l'entreprise chinoise Zengwei. C'est là sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces travaux consistent au curage des caniveaux des parts et d'autre de la chaussée, la lutte anti-érosive du renforcement de la chaussée. Financée par les trésors publics et sur une durée de 12 mois hors intempéries, le directeur général de l'entreprise Zengwei félicite l'OVD pour le respect des normes techniques et des modernisations des différents ouvrages réalisés. Quant au directeur général de l'Office des voiries et drainages, Benjamin Wenga Basubi, cette route Kindélé-Kimwenza mission risquait de disparaître, car elle était menacée par plusieurs têtes d'érosion. Demandons l'adhésion au projet de toute la population, de manière à ce que les travaux s'exécutent dans l'harmonie, de manière à ce que l'ouvrage, une fois terminé, remis à la circulation, remis aux usagers de la route, soit géré en bon père de famille. La zone n'ayant pas des ouvrages d'assainissement pour recueillir les eaux de ruissellement, il s'est créé plusieurs têtes d'érosion. Le ministre provincial des infrastructures s'en tient au maintien de la ville de Kinshasa comme miroir d'Afrique sur les plans infrastructures. Fini les calvaires auxquels était soumise cette population.